Et coucou, bonsoir. Bon, on va profiter qu'on a un peu de danseurs pour tout foutre en l'air. Profiter qu'on a un peu de temps ce soir. J'avais honnêtement prévu de jouer à Tears of the Kingdom, mais si j'ai le temps pour streamer un petit peu, alors autant prendre le temps pour streamer un petit peu. Le temps de mettre le chat sur le téléphone. Et avec un peu de chance, on va pas se faire complètement rouler dessus. Hop, Twitch. Bon, je sais que le son fonctionne. On va quand même vérifier parce qu'on sait jamais. C'est bon, il fonctionne. Tout fout le camp. Donc ouais, faut quand même que je lance un peu Pokémon Unite parce que si je squatte complètement 100% sur Tears of the Kingdom, c'est bien gentil, mais je vais jamais passer Master cette saison. Et ce serait vraiment un problème pour l'interrogation. Je sais pas si l'Amphinobi veut aller mid. S'il te plaît, lock ton pick. Sinon je... Ok. Très bien. Donc le Nigosier jungle qui va bien. C'est quand j'aurais dû lancer, mettre des bonus avant de partir, tiens. Ça aurait été peut-être un peu rentable si je joue là pendant 2 heures. Bref, on verra bien. Alors, je vérifie 2-3 trucs. Puisque j'ai dû changer de micro, enfin changer de micro. Stream depuis le micro du casque plutôt que le micro-pied qui merdait il n'y a pas longtemps. Il va falloir que je prenne le temps de jeter un coup d'œil à cette chose. Qu'est-ce qu'on a donc? Ah, évidemment, Zacian Guirlande, évidemment. Ils vont être ensemble. Ils vont pas être en jungle. Sûrement que le moustique sera en jungle. Mais alors, aller intervenir sur des lanes sur lesquelles il y a Zacian Guirlande. Je veux dire, on peut nerf autant qu'on veut, mais si vous faites rien à Zacian, les gens vont continuer à abuser de Zacian. Bref, on va pas partir des faits. Ce serait quand même dommage. La game a pas encore vraiment commencé de déjà s'avouer vaincu. Tout ça parce qu'il y a des gens qui prennent des Pokémon qui sont un peu, beaucoup, complètement claqués et cheatés. Alors, ouais, Guirlande qui est bot. Ah, le moustique qui est en haut. Donc, leur jungler, c'est le Amphinobi. Je préfère presque parce que j'ai une chance de faire quelque chose sur un Amphinobi alors qu'un... Merde, oh merde, je regardais pas, je faisais un truc sur mon PC. Je pourrais pas me... Ouais non, putain, j'étais en train de lancer Discord sur mon ordi, bien évidemment. Le meilleur moment pour lancer Discord. Ça veut dire qu'en fait c'est le Zacian qui est en jungle? Ok. Enfin, je veux dire, let's go hein, mais... Et ça fait chier parce que ça fait partie des trucs contre lesquels moi je peux pas faire grand chose. En tout cas pas pour l'instant. Bon, ça fait chier parce que je peux pas faire grand chose et là ils ont besoin. Top, ça va, ils gèrent. Super, d'ailleurs. Il va me falloir du Pex, chose que le Zacian ne me permettra pas d'avoir si je vais les aider en bot lane. J'ai envie d'y croire. ouais, clairement, top lane en fait il gère. Bon, le but bizarre s'est fait avoir une fois, je pense. J'ai pas fait attention, mais je crois. Ah, c'est juste sur la rentrée, lui piquer 2-3 trucs. Non. Non. Ok. Ça c'est bien parce que quitte à pas pouvoir vraiment aider en bas, il faut que je puisse bourriner au top. Ils sont trop en bas, il n'y a plus que le Pikachu top. Let's go.
pensais pas qu'il serait déjà de retour. Je peux passer au-dessus, dommage. Je pensais que j'allais passer au-dessus du mur. L'Orzation qui est là. T'es mort, quelle vitesse il est arrivé. Ah, tu me diras, avec agility et un vitesse plus. Ouais, peut-être bien. Ah, chier. Bon, bah, c'est la game de chauffe, hein, on a l'habitude. Mais j'ai l'impression que je vais servir à pas grand-chose. Et ça, ça m'emmerde royalement. Oh, le chien. Le littéral chien. Ah, putain. J'ai ulti un cran trop tard, donc je l'ai pas claqué, ça aurait servi à rien, ça aurait été mauvais timing. Mais si je l'ai vu un cran avant. Ok, ça c'est beau. Mid, le chien doit être là, non? Ouais, le chien il doit être pas loin. Putain, c'est. Putain, pourquoi j'ai fait ça? C'est stupide, on fait ça. Je veux dire, on survit, hein, mais c'était beaucoup de risques pour pas chier, pour pas grand chose. Pouf, la game de chauffe là, c'est pas la bonne. Ça finira par être la bonne. Pour l'instant, c'est en bon gros nope. Ok, ESS. En bas, il y a le chien, donc il faut que j'y aille pour aider le Loclas. Même si je ne serai pas suffisant, mais c'est pas grave. Il aurait fallu espérer que notre Amphinobi revienne. Bah oui, je veux bien gather, mais... Ils ont raté le Regice. Ah, je déteste ce truc-là. Ils arrivent mais un peu tard, hein. Un peu beaucoup très tard. Ils sont sur le Regice en bas, vous avez pas fait gaffe, mais. Je vais pas ping, ça serait juste cancer de ping là, ouais. Lui il a 1v2, 1v3, il va crever. 1v4, il va crever, 1v5. Non, 1v4. Là j'ai mon ulti, il y a un truc à tenter. Si on arrive à les trapper. C'est pas bon l'ulti ici, je fais n'importe quoi. Il revient, il est full vie. Non, 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 non. Ça sert à rien, on n'a pas de dégâts. Et moi je décède. Parce que notre dégât, il est en train de faire rien. Enfin, notre un de nos dégâts, parce que c'est aussi ma faute. Hein. Bon, on connaît les points. Ouais, tu sais quoi. Là, je pense qu'on peut clairement l'abandonner maintenant. J'ai pas encore beaucoup joué cette saison, donc je pensais que les Asians guérillantes c'était plus la mode. C'est abusé à quel point les PV qui sont sucés avec le vampirisme de ce truc là, c'est... Oh la quantité elle est dingue. Et donc ouais, je pensais que les gens étaient passés à autre chose, mais... Pas du tout. J'ai pas d'ulti, puis en même temps je le claquerai pas maintenant, ce serait pas une bonne idée. Je peux pas aller en front lane, s'il vous plaît, que quelqu'un voilà, s'y mette. Ok, bon, pousser propre, et ben non, parce que les potes sont plus là. Putain, on les avait les deux là, et ils ont back et. Voilà. Non, je veux pas être celui qui accuse les alliés. La faute des partagés, tout ça, mais là quand même ça pique. Loclas qui est en bas, 1v1 contre un. Il pourra pas l'avoir. Et là, moi il me faut en 13 pour avoir plus de dégâts avec le dive, au moins. Mais même ça sera pas suffisant, mais au moins j'ai mon ulti. Le Loclas n'a pas le sien. Non mais ça c'est faux, il faut pas aller fight le Regirock là, enfin c'est...
Bah ouais. Ah putain. Vampirisme con, beaucoup trop de suçage de PV. Et mon air slash qui est bas. Bon. Ça n'allait compte pas. Hein. Ça n'allait compte pas. Bah oui, pardon, je comprends que les collègues jouent Tears of the Kingdom. Je le lancerai sûrement pas en live tant que j'aurai pas fini, je pense. Parce que, en fait, c'est le même problème que j'ai eu avec les autres jeux solo que j'ai voulu lancer. J'ai envie d'y jouer, même quand je suis pas en live, mais comme c'est un scénario avec une progression, tout ça, ça m'emmerde de le continuer hors live. Et du coup, qui est dans les VOD des sauts. Lui se sent sûrement très intelligent d'avoir fait ça. Et que dans la VOD il y ait des sauts, tout d'un coup il manque un morceau de jeu parce que ben cette partie là elle était pas en live. Oh. Est-ce qu'on a été de mauvaise foi et qu'en fait ça se gagne? Personne par bot, je par bot. Mon dieu. Oh, c'est pas mérité. Ah, oh, c'est pas mérité du tout. On le dira jamais assez, Pokémon Unite est un jeu bien entendu très équilibré dans lequel c'est la meilleure équipe qui gagne à chaque partie. Sans exception. C'est un peu honteux quand même. Ça aussi. Ah. Donc ouais, ça c'est un peu honteux. Parce qu'en vrai, ben, lui a tout carry et ils auraient dû gagner tout. Et... bon, zéro posé le jungler. Bien vu. Bien vu, bien vu. Très bien vu de sa part. Parce que pourquoi aider sa team à scorer alors qu'on peut très bien juste crever en boucle? On va juste aller utiliser. Mauvais bouton. Mais attends, est-ce que j'ai pas des trucs à poser tant qu'à être là? De rien la team, bien entendu. De rien la team. Grâce à moi, rien du tout. Item box. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, pour participer, oui. Ok. C'est que je l'ai pas fait, là. Peut-être. Non, quoique non. On va juste se contenter de lancer les classés. Essayer de progresser. Parce qu'on sait très bien comment ça marche. À la seconde où je passe master, presque je ne touche plus à ce jeu de la saison. Presque. Donc autant vite passer Master, comme ça on peut se concentrer sur d'autres jeux. Notamment Tears of the Kingdom, mais aussi retourner streamer sur Slice and Dice en anglais. Je vous invite d'ailleurs à venir voir quand ça se passe, même si vous êtes pas ouf en anglais, on a toujours moyen de se faire comprendre. Et bon, il y a moins de gens qui viennent regarder parce que c'est un peu plus niche, et c'est pas très connu, finalement, ceux qui reviennent même. Mais je passe un très bon moment dessus, puis je me prends... étrangement moins la tête que sur Unite alors que c'est un jeu plutôt prise de tête. Ah, ce coup-ci en Alsacien avec nous. Est-ce que je suis cancer au point de... Non, je veux dire, est-ce que je suis cancer au point de prendre un Kirill en moi-même? C'est quoi? Allez, moi aussi je me mets central. C'est parti. C'est bien. Oh, on n'a pas de... Ah si, on a un frontliner en bas. Il faut peut-être mieux qu'il aille... Ouais, sinon, avec le Givrali, c'est mieux qu'avec le Mentali. Givrali a besoin de temps pour se stack up, alors que le Mentali peut juste faire mal. Non, je pense que c'est bon, là, la disposition. On va bien voir. Je veux dire, alors, est-ce que je suis content de gagner une game de manière générale? Oui. Est-ce que je suis content de la gagner grâce à un Zacian dans ma team? Ah, déjà un peu moins. Il n'y en a pas en face. Par contre, en face... Oh, quoique. Bon, j'ai pas encore vu Givrali depuis le up, donc je sais pas à quel point... Je sais pas à quel point il est intéressant. Enfin, je sais qu'il est devenu très bien sur le papier. Mais à quel point est-ce qu'il est
très bien aussi en pratique. Ah, c'est dommage. C'est bien vu ça aussi, rester dans l'AOE du Nigozu. C'est bien. Bah crève du coup, hein. Ah, je pensais que ça bounce dessus, même si j'avais pas la vue dessus, mais apparemment pas. Ok, team en face. 1, 1, 1, 1. Non, plongée encore. Hein. Plongée plus que surf, je pense. Est plus pertinent ici, plongée. Bah oui, ils restent dans les eaux. Putain, ils sont. Ils sont pas cons. Comment se sort le Zacian? Est-ce qu'il a déjà fait une intervention? Il a un kill, ok. Ouais, l'autre on l'a vu. Sérieux? Mais pourquoi il rentre? Enfin, arrêtez de rentrer dans mes AOE, soyez pas con. Oui, ça m'arrange, mais enfin quand même. Une question de prestige, enfin, si gagner une game parce que vous rentrez dans les zones. Oh merde. En plus ça son ulti. Tant pis. Comment on est en bas? Je ne sais pas, puisque je suis déjà re. Ok. Ils ont une intervention, à 3 ils y arrivent, mais en vrai à 2 je trouve qu'on les gère plutôt bien. Plutôt très bien même. Évidemment, on reste dans les zones nous aussi, sinon c'est pas vrai. Non 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 non. J'aurais dû rester dans la zone peut-être. Ouais peut-être pas en fait. Le gros doudou m'aurait peut-être ramassé à la paille. Niveau 9 à 6,45 le Zacian, c'est abusé. Elle a pas peur. Hein. C'est pas là où je voulais sauter. Ok, c'est géré. Propre. Un laser, non, il n'y avait pas un laser bien placé, donc pas rip. En bas ça se passe. J'ai l'impression que la game elle est plutôt ok. 61-16. Bon, ici 80-80, mais non, j'ai l'impression qu'on est plutôt. Que ça se passe plutôt bien pour nous et qu'on est bien organisé. Que personne ne peut nous canaliser par exemple. De la manière dont nous sommes. Pas nécessaire, c'est petit. Mon œuf. Ok, je vais l'avoir en passif là. J'aurais bien. Oh.
Damn. Non, en plus, si on a notre givrali qui arrive, c'est pas nécessaire. 3, ça se pose, 40. Ouais, un peu trop prématuré. C'est con ça. Merde. J'ai chié ma visée, c'est pas grave. Ici le bot, il est là. Ah non, il le poursuit mais il se fait interrompre. Il y a quelqu'un qui veut le ramasser par derrière. Le classe veut pas mourir sur ça. Non, évidemment, parce que papisation est arrivé. Et il est venu, il a cassé deux culs, il a décédé. Ah, je suis un peu blasé qu'il soit pas venu. Elle a sûrement eu raison, hein, mais je suis blasé quand même. Ulti ? Il a pas son ulti. Ah, ulti, il l'avait. Il a la pastille, ou alors il l'a eu quand il est mort, je sais pas. Que quelqu'un regarde la VOD. Laissez dans les commentaires, tu es une grosse merde, il n'avait pas son ulti. C'est bien, ouais, si je passe au-dessus de son mur, ça veut dire que du coup je reprends pas la version améliorée de sa compétence. C'est plutôt sympa. Parce que j'ai l'impression qu'il joue pas autant laser qu'au début de la game. Plus que j'ai le bon réflexe. Il faudrait sûrement même que je monte. J'ai jamais fait, mais que j'aille dans les options pour augmenter la vitesse à laquelle se déplace. Ici, là. Souvent dans controls. Ça. On va faire un test. Est-ce qu'à 3 quarts. Hein. Oh, damn. Oh. Ok. Ça va prendre un peu de temps pour s'habituer. Mais je pense que. Peut-être un peu mieux. Et si c'est trop, je leur passerai peut-être à 50%. Parce que j'étais à quoi? J'étais à 25%. Je veux dire, ce qui est intéressant avec ce truc, avec Dive, c'est de pouvoir le faire un peu finesse. Très bon placement d'ulti ça, c'est de le faire un peu finesse pour pouvoir vraiment viser le mec, il est là, il est là, il est là, et pas juste y aller à 100% à chaque fois. 2 sur 2. Donc ouais, je vais voir si 70%... Bon, ça va pouvoir se faire, 75%, ça va être propre. Bref, deuxième victoire. Je suis encore une fois le moins bon de la team. En face, en vrai, lui, il était ok. Il avait des actions qui étaient un peu trop ballsy par moment, mais c'était ok. Allez, battle game. On est sur une lancée là, de toute manière. Tant que genre les games qu'on fait là, on reste à au-dessus de 50% de victoire. Tu vois, genre si on en fait 3 de plus et qu'on les perd les 3, c'est la fin du live. Ça m'emmerderait, mais bon. Est-ce que c'est les gens de tout à l'heure? Non. Ok, dragon jungler, ok. Mental là. Et moi j'aurai le tank. Ou le off-tank, ça me va aussi très bien. Tu fais ce que tu veux, Yuki.
Ouais, ça c'est. Ah ok, mais ils doivent jouer ensemble alors, cette synchro. Bah ça me va alors, ça me va d'avoir un Goudra avec moi. J'aimerais bien jouer surf, j'aime bien jouer surf, mais dépendant des teams d'en face, s'il y a besoin d'être mobile. Surf c'est peut-être pas la meilleure des solutions, la meilleure des idées, pardon. Alors, ouh, j'aime pas cette team en face, mais il va falloir que je parte avec Surf, bah pour le coup c'est bien foutu, parce qu'il n'y a pas assez de trucs squish et mobile à part le Absol, donc il va falloir que j'aille avec Surf pour essayer de faire des trous dans les PV, et de synchroniser un trou avec, avec le Mentali par exemple, pour essayer de faire du meaningful play, de la grosse action qui change le cours des événements. C'est très rapide quand même. C'est que j'ai pas l'habitude, mais. Désolé, je suis en train de tout prendre, gars. Ah, bah putain, merde, allez! Voilà. Ah, bah je les ai eu. Il les a pas attaqués, c'est chouette. Et lui, il a quand même eu le temps de. Je sais ça pour l'affaiblir. Garde-le toi. Je suis désolé d'avoir tout piqué, hein. D'habitude, je suis pas autant un connard. Oh là là, ça par contre c'est full connard ça. Mais il était où? Il a du level, il était pas sur la lane, c'est le jungler? Non, le jungler il est en bas là, c'est le Absol, j'ai pas fait gaffe. Back machin Franck. J'ai pas le réflexe de mettre le back avec cela là. C'est top left, retreat. Je veux dire, surf c'est vachement bien et ça fait toujours chier de laisser Whirlpool parce que je trouve que Whirlpool c'est exceptionnel. C'est un outil de pression, un game qui est dingue. T'as des dégâts de fou, tu fais du zoning. Le cooldown est tellement rapide. Ouais, là c'est, tu vois, le truc était un peu rapide. J'ai essayé de cibler avec et j'ai merdé. Bah, j'ai anticipé une fuite, mais il n'a pas fui. C'est tout à son honneur. Est-ce que c'est le moment de faire ça? Absolument pas. Ok. Petit à petit, tu vois. On commence pas tout de suite. Oh le bâtard. Oh le bâtard chien. Ouais merde, par contre, bâtard chien. Oh là là, t'es en train de t'amuser, tu joues à Unite, ça se passe bien, on échange des trucs, on gagne, on perd, on gagne, on perd. Et puis tout d'un coup il y a les Asians qui débarquent. Qui... Non 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 mais. Je comprends pas pourquoi vous essayez de vous amuser, c'est pas fait pour ça. Trop tard, il va y passer. Il va pas y passer. Il va y passer. Tu vois, c'est pour ça, surf, pour faire des high value plays comme ça. Évidemment, on ne peut rien faire. On a déjà dit contre ce mec-là. Putain, c'est blasant à chaque fois, quoi. C'est tellement blasant, enfin. Je suis là, j'ai pas mon 10. Le Absol qui ne claque pas son ulti, lui non plus ne l'a pas. Le Zacian qui crève, moi aussi. Ah, avec la OE du. Ouais. C'est le Zacian qui a le kill, évidemment.
Ah, ça c'est karma. L'explosion retardée. Par contre, le fait que tous les que en bas ils soient encore à deux là et qu'ils soient pas en train de nous aider, ça blase un peu. Oh, propre. Oh, mais putain, mais lui. Il a failli faire une connerie. Il a failli le rapprocher le truc de notre base. Il a failli le déclencher. Ok, on signale. Tortank va venir. Enfin, s'il est agressif depuis le début de la game. Voilà. Il vient, mais il se prend dégâts. Moi aussi, je vais mourir. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas. Ça fait peur. J'en sais rien. C'est pas un bon réflexe. Lui, oh putain. Il faudrait que je rejoue Archiduc. J'aime beaucoup Archiduc. Il m'a carry, je sais plus quelle saison, que j'avais faite que avec lui. Une saison, je m'étais dit, je vais essayer de nouveaux personnages. Et j'avais globalement joué que lui toute la saison. Je crois qu'aujourd'hui, c'est mon deuxième perso le plus joué juste à cause de cette saison-là. Ouais, les flèches, c'est extrêmement satisfaisant. Et merde, putain. Tu vois, on peut rien faire. Outre le fait qu'il est 12 et que moi je suis 9. Et donc il fait beaucoup plus mal. Mais en vrai, c'est pas. Putain, c'est pas fun. Et je sais que, voilà, on est en classé. Techniquement, tous les gens qui savent le jouer ont raison de le jouer parce qu'il est extrêmement efficace. On pourrait même argumenter qu'il est trop efficace, qu'il casse la méta, qu'il. Certes, il est. Voilà, il est très bien ce perso. Mais merde. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas juste le droit de faire des games normal? Tu vois, je suis sous ulti, sous mon truc. On est à deux. Et non. Ils sont les dégâts là. Ah. Sous ulti, donc j'ai un shield. Sur ma base, donc j'ai un shield et un soin. C'est rien d'aller bot là, vous allez vous faire rouler dessus. Bah oui. Ah non? Ouais, ah, pas loin quoi. Ouais. Bon, j'essaie de prendre du niveau 13 pour améliorer le surf, mais aussi pour essayer de récupérer mon ulti. Parce que surtout sur cette game, avec la team qui est en face là, mon ulti il est extrêmement. J'en suis extrêmement dépendant. Non, pas descendre par là. Je laisse le tank descendre s'il veut, mais pas moi. Deux kills. Deux kills, c'est value. Mais derrière, est-ce qu'ils vont réussir à. Ouais. Stun, into stun, into stun. Oh. Tu vois, il faut s'y mettre à 3 avec full contrôle de masse. Et à 3 avec full contrôle de masse, et ben on peut tenter de faire quelque chose. Mais alors, les conditions, quoi. Putain, ça va trop vite. Je gère pas bien. C'est l'habitude, mais je l'ai pas. Non, ils sont pas dessus. 10 secondes. Enfin, c'est un Zacian, tout peut arriver. Ah non, il est mort, le Zacian. Faut pas que lui crève. Je le claque parce que je vais crever, quoi qu'il arrive. Donc autant que je puisse faire des dégâts avant. Oh, le Zacian est mort. Tortank qui pose, mais lui aussi. C'est pas du tout équitable. Et lui qui. Putain, non, non, mais dégâts. Oh merde, et moi je fais pas le bon message. Bon, c'est pas grave, on a gagné les deux premières. Voilà. Je reviens mid, le Zacian aussi. Et ceux qui l'ont, GG à eux. Parce qu'ils sont sûrement en train de rush. Il y en a deux qui sont en train de rush chez nous.
Non, ils sont pas en train de rush chez nous. Ah si, quand même. Sur ceux qui l'ont, hein. Moi je suis en train de faire ça juste pour le principe, mais concrètement, ils l'ont de loin. J'ai pas le bon mille pour faire de l'escarmouche de toute manière, mais... C'est en plus par principe qu'autre chose, tu vois, d'essayer juste de les emmerder. Voilà, mais... Aussi ils font exprès, genre là ils savent que ces rushs là ils servent à rien, mais écoute, ça fait toujours plaisir de faire 3 kills à la fin, hein. Puis voilà, on va pas s'en plaindre, bien sûr que si on va s'en plaindre. Faute à quelqu'un en particulier? Bon, si ce n'est aux Ascians parce que c'est complètement claqué, je sais pas. La bot lane, ils sont restés beaucoup bot lane à des moments où il aurait fallu qu'ils bougent un peu. Je dis pas que ça aurait complètement renversé la game et que ça aurait été gagné instantanément grâce à ça, mais enfin, ça aurait peut-être aidé. Ouais. Tampi tampi. Faut persévérer, c'est tout. Allez, pas de Zacian là, s'il vous plaît. Pour l'instant, il n'y a pas eu une game sans Zacian, quoi. TV Jordy Boy. Noir. Alors regardez à quoi ressemble Jordy Boy. Jordy Boy. Jordy Boy Gaming. Bah qui n'est pas en live là tout de suite. Jordy Boy 269. Bah alors Jordy Boy. Non, bah non, t'es pas en live, qu'est-ce que tu vois là? Des gens qui ont un tag TTV sur leur pseudo, puis qui sont pas. Ouais, botlane, c'est très bien, botlane avec un gros dude. Je dis rien parce que bah, j'ai évidemment vu qu'il y avait encore un chien en face. C'est chiant. Mais la team se prête plus à prendre plongée. Alors peut-être que j'aurai un peu plus de chance au niveau des match-ups contre certains autres trucs. Contre le piaf, contre le lapin. Contre la grenouille. C'est un peu la lane de Normy en bas là, avec les deux starters, mais... Sérieux, il n'a pas vu le gros doudou.
4, hein, il a pris le truc d'en haut, il l'a pas encore pris. Le zoning fait quoi en poule? Pas de signe du chien, est-ce qu'il est allé quelque part? Il est allé en haut, il a déjà fait 2 kills. Il est encore en haut. Est-ce que c'est pas lui le jungler? Ah bah non, je suis con, c'est le piaf le jungler. Je suis pas les collègues, hein. Je préfère plutôt faire ça. Encore 9. Sans qu'on n'ait pas jungler, être 9 avant 6-30, c'est toujours un peu chaud. Vu. Ben voilà. Bon, il va aller poser le Cinderace chez nous, mais c'est pas grave. J'aurais bien voulu être 9 avant ce truc là au top. Ouais, je l'aurais pas au passif. Je l'aurais pas à l'heure au passif. Si je chope lui. Hein. Ça aurait pu être mieux, mais ça fait un bout de taf. J'en ai 30, il y en a 30. Ok. Bah ça se passe, moyenisation, il se fait un peu rouler dessus. Alors je sais pas si c'est parce qu'il est pas bon, parce qu'il a pas de soutien de ses alliés, ou je ne sais pas. Vu le flanc bizarre. Bon, on le chopera pas, mais. Enfin, on le chopera pas. Parce qu'il a plus flash pour l'attraper, quoi. Enfin, c'est. PV mec. Ulti bientôt mais pas encore. Nice. Le Gagados. Grid. Grid absolu, j'aurais pas dû faire ça. Enfin j'avais pas vu le piaf. Sans le piaf c'était horrible. Putain. J'ai réveillé du monde. Sans le piaf c'était ok, mais sinon c'était un peu beaucoup grid. Ouais, l'orzation est au top, il est en train de descendre, même pas. Il est vraiment en train de poser 30 par 30 par 30, enfin ça c'est très bien s'il fait sa l'orzation. Pour nous c'est extrêmement bien. Je l'ai pas vu assez tôt. Non, si leur chien est là par contre, moi là tout de suite j'ai pas de puissance d'arrêt. Ah bah oui c'est ça, vas-y fais ton truc. Oh merde.
Ça aspire vers l'intérieur. Je connais pas du tout les compétences en fait d'Osation. Paradoxalement, vu la quantité de cassage de couilles absolue qu'il fait, je connais pas bien le fonctionnement de ses skills. Parce que même si je possède des assurances, hein, je me refuse. Top, ouais. Level 13. Ils l'ont pas mes alliés. Ils sont. Putain, je suis en avance par rapport à eux. Non, flag à Oscar. Ah putain, je me fais interrompre par. J'ai pas mes cooldowns. On va se les faire. Pourquoi? Pourquoi j'ai rappuyé sur l'ulti? Putain! C'est pas la bonne situation et c'est pas le bon timing. Pourquoi je fais ça? Est-ce qu'il y a moyen de le remonter un petit peu? Mais ouais, un petit peu. Mais ok, ils sont encore là. Que je crève là maintenant. Pas bon moment pour crever. Personne sur la Rayquaza. Level 13. 50% l'ulti, c'est con. Enfin, c'est con, c'est pas assez. Je prends des risques. Lapin. Il faut que quelqu'un essaie de le choper, le lapin. Oh putain de chien de merde. Bon, comment il s'appelle? The Pokémon Company, Niantic, les gens qui sont derrière Pokémon Unite. Je sais que vous m'écoutez, je sais que vous êtes abonné à la chaîne. Vous followez la chaîne plutôt. Pas d'abonnement pour l'instant. Faites quelque chose. Faites quelque chose. Vous savez que le personnage il est cassé. Vous savez que le personnage il est au-dessus de tout. Vous savez que vous l'avez modifié déjà deux fois pour faire des modifications qui sont dérisoires par rapport au niveau d'emmerde que provoque le truc. Vous le savez. Pourquoi vous y touchez pas plus? Oui, bah MVP dans la défaite, mais MVP quand même. Ça fait 2-2. J'ai dit si je passais sous les 50%, mais... C'est-à-dire que si la suivante elle est perdue, ça ferait 5 games. Si la suivante elle est perdue, c'est fin du stream de Unite pour ce soir, quoi. Et tant pis, je passerai sur Slice and Dice, je passerai sur autre chose. J'ai pas envie. Comment? J'ai pas envie d'aller me coucher vénère. Et donc j'ai pas envie de me coucher sur genre une série de défaites en fait. Van Argeano, c'était un mec avec qui était contre nous tout à l'heure je crois. C'est pas un Absol contre qui on a joué tout à l'heure. Unite API. Van Argeano. Déjà pseudo de merde, je suis désolé si tu nous regardes. Alors, Unite API, redirection. Van Argeano. Est-ce qu'il y a pas longtemps il aurait joué contre un Nigozier? Un Nigozier de talent d'ailleurs. Ah non, peut-être pas. Il est en duo queue avec l'autre. Ok, et il vient d'enchaîner 3 défaites en duo queue avec son collègue.
Oui, il change beaucoup le perso qu'il prend d'ailleurs, mais il ne prend pas des personnages qui sont dans ses meilleurs personnages. Oh mon dieu, y a pas de... Ah si, y a un chien, moi, il est chez nous. Je veux dire, ça reste cancer, mais c'est cancer bénéfique, quoi. Mais ça reste cancer. Il y a un chien, mais il est chez nous. Mais non, non, pardon. Excuse-moi, j'ai dit top. Ouais. Je regardais ce qu'il y a en face pour le build. Et ce sera plongé. Vu ce qu'on a nous et vu ce qu'ils ont eux. Surtout vu ce qu'ils ont eux, parce que vu ce qu'on a nous, genre j'ai deux bonnes front lane. Et donc surf ça serait pertinent. Mais surf sur le lapin, dépendamment de comment il build, ça peut être complètement inutile. Surf sur le dracofeu, pas ouf. Donc le dracofeu, il faut que je puisse au moins fuir. Si jamais il multi, et pour ça il faut que j'ai plongé. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Allez, vénère Henri Guénaud là. C'est con que ton collègue il a engage mal. Si on avait un kill garanti, je pense. Peut-être deux. On les a eu les deux, hein. Mais voilà, c'est pas satisfaisant. Hop, dodge. Vous êtes plus là? Il est où Henri Vénergueno là? Je sais même plus qui c'est ce mec là, c'est de la politique Henri Guénaud. Il a sûrement dû dire un truc à une époque. Putain, où est l'ami de la culture quand elle a besoin? Voilà. Ah bah oui, va dans les zones. On en a déjà parlé tout à l'heure des gens qui restent dans les zones, c'est très sympa. Je pensais qu'il était en train de suivre mon collègue. Du coup, je vous prends un soin et je remonte. Hein. Parce que je viens de me souvenir qu'en fait, c'était pas moi le jungler. Moi, je suis juste un peu greedy. Oh, pourquoi j'ai juste un peu greedy? Ah, putain. Oups, j'ai pas un machin my bad là, mais my bad, si vous êtes sur le live... Non, vous êtes pas sur le live. My bad. Ils vont prendre le Regieleki, mais il n'y a pas moyen qu'on fasse quoi que ce soit dans le compte complexe. J'avais hésité à renommer le compte en TTV le babier. Mais bon, outre le fait que Nintendo prend pas le babier. Funny story. C'est censé être le nom du compte, le babier, comme partout. Mais, comme le babier, ça écrit B-I-E-R à la fin, et que B-I-E-R, Bia, c'est de l'alcool, en allemand, et bah du coup, le pseudo ne correspond pas aux terms and conditions, et on peut pas le... Et je peux pas le mettre. D'où Babios. Le dios Babios. Bah, s'il est sous ulti, je peux pas y faire quoi que ce soit. Ça passe. Ça fuit. Il y a un chien avec nous, mais j'ai plus de niveau que le chien. C'est jamais bon signe. Enfin, jamais. C'est rarement bon signe.
l'ulti pour fuir, ça me va. Il va venir sur le Absol, qui va y passer. Évidemment, parce que quand tu overextend à cette distance-là, enfin, tu y passes, c'est tout. Comme lui, par exemple, là. Il avait un collègue qui ne l'a pas suivi, par contre. Overkill ? Peut-être bien, oui. Ah non, regarde, je fuis, lapin. Dragon. Je peux rien contre un dragofeu de toute manière, donc autant juste le poke et... Ça a l'air quand même de se présenter plutôt bien, même si on sait que ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Faut, ouais, je sais pas quand est-ce que, si ils feront quelque chose et qu'est-ce qu'ils feraient, mais il faut... Il faut qu'il vire le Rayquaza, ou alors qu'il change le fonctionnement du Rayquaza. Parce que, bon, évidemment, on a tous compris à force de jouer à Unite que c'est pas équilibré, c'est pas fair, c'est pas tout ça. Mais les joueurs, je trouve, ont pas la bonne mentalité par rapport à ce truc-là. Le Rayquaza, les gens traitent ça comme un objectif. Le Rayquaza, c'est pas un objectif. Le Rayquaza, c'est une récompense pour la team qui réussit à gagner le teamfight devant le Rayquaza. Mais donc, il y a beaucoup trop de joueurs pour lesquels c'est juste vite, il a pop, il faut qu'on aille le buter. Quelle que soit la situation de la game, quelle que soit l'avance potentielle qu'on a sur la team adverse. Lui, il va décéder. Non. Si, peut-être. Non, puisque l'autre l'a pas suivi, donc il ne décédera pas. Ah si, et il faut que je regarde. Il y a eu un... Dans le dernier patch, il y a eu un nerf. Alors, est-ce que c'est un nerf ou un buff, vous appelez ça comme vous voulez. Mais genre, pas écrit, pas annoncé. Sur le fait qu'on voit ou pas les Pokémon adverses qui sont en train de poser, si on n'a pas la vue, je sais plus quoi. Il y avait une histoire de c'était une vue qui était globale, et après elle a plus été globale. Et enfin, bon, j'ai plus le vraiment l'info comme elle est censée être formulée. Mais un truc qui récompense les junglers un peu backdoor, puisqu'ils restent invisibles. Genre, en gros, là, le Absol a posé 50. Je ne sais pas si les ennemis l'ont vu faire. Et enfin, je pense que oui, parce que le Dracofan bah, vient de poser également. C'est pas que j'ai envie de l'engage, hein, c'est juste que c'est mon ulti qui a des séquelles. Ils ont leur Dracofeu qui est pas loin, ouais. Oh merde! Est-ce que c'est sur ça pendant que la game est perdue? Peut-être. Oh, lui il a failli buter le collègue. Ouais, c'est sur ça que la game est perdue. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir dire qu'on va couper le live Pokémon Unite pour là maintenant. Le lapin qui a back. Qui aurait pas dû back déjà clairement. Oh merde. Tout à l'heure j'ai dit ah ça se passe plutôt bien tout ça, mais faut pas chez Pokémon Unite hein. Faut pas vendre la peau du Chifours. LOL. Oh, je me déteste parfois. Alors.
Après, cette compte de te poser quand même dans la foi pour la gloire, mais il y a sûrement quelqu'un qui défend. Voilà. Déception. La grosse déceptionne. C'est pas grave, ça fait une heure, et puis on va relancer sur autre chose. En VO. En VO, en anglais, je veux dire, bien sûr. Pour ne pas, évidemment, rester sur cette grosse, grosse déception. Donc, je vais faire une pause du live, sûrement le couper et le relancer, histoire de pas avoir à découper la VOD pour la VOD. Bah oui, you lose. Qu'est-ce que je te dis, Franck? Avec Slice and Dice en fond. Alors, on va quand même aller récupérer de la récompense. En temps normal, enfin, si on était à plusieurs, j'étais pas tout seul. Si on était plusieurs, je dis ouais, genre, j'aurais sûrement continué. Mais là, tout seul, ça fait chier. Est-ce que j'ai récupéré Ghost Mission Challenge? Magnifique. Alors, on va pré-préparer Slice and Dice, histoire que ce soit prêt. Hop. Alors, est-ce que on a